Les poissons aiment les reliefs, les petits coins où ils peuvent se cacher de leurs prédateurs et se reproduire tranquillement. Ces récifs artificiels favorisent la fixation de la faune et de la flore dans des fonds appauvris. Une méthode bien connue, mais l'Office de l'environnement de la Corse développe un dispositif inédit, adapté aux espèces méditerranéennes et aux besoins locaux. Pour mener à bien ce projet, on s'est rapproché tout naturellement des pêcheurs professionnels, des apnéistes, pour savoir en fait quelles allaient être les espèces cibles sur cette zone et quelles étaient celles qui avaient un intérêt économique pour eux. C'est ce pêcheur qui a imaginé ces récifs artificiels. Ils sont composés de dalles de béton façonnées dans des moules en silicone reproduisant une roche naturelle. C'est exactement la reproduction de la nature. Et après, la forme, elle a été faite pour qu'il y ait des ragues qui se fassent naturellement. C'est-à-dire où les poissons pourront glisser et venir se passer à l'intérieur. On a joué aussi sur les couleurs pour voir où c'est que la biodiversité pourra s'accrocher le plus rapidement possible. On cible plutôt là des espèces comme les sards, les corbes, les dorades, des espèces qui ont une valeur marchande importante. Des ingénieurs de l'Université de Montpellier et de l'École des mines ont apporté leurs connaissances au projet, les acteurs de la filière béton, leur savoir-faire. Ce qu'on a tendance à dire, c'est une phrase, le béton s'épanouit dans l'eau comme un poisson. Alors pourquoi le béton? Ça fait très très longtemps qu'on utilise du béton en site maritime. C'est un matériau minéral, parfaitement durable, parfaitement pérenne. Début août, ces récifs artificiels seront immergés dans le golfe d'Ajaccio. C'est le Ricante, aux zones sablonneuses situées loin des aménagements portuaires, qui a été retenu pour cette expérience. Dans quelques mois, nous saurons si poissons, planctons et crustacés auront pris possession des lieux. Thank you.